les PMP m'ont appelé à la dernière minute parce que eux, ils reçoivent vraiment les sujets à la chaîne. Donc, du coup, je m'y attendais absolument pas. J'étais pas prête. Hein. Donc, ils m'ont appelé 2 heures avant l'émission. La veille, j'étais en soirée. La veille, j'étais en soirée et du coup, j'avais fait une nuit blanche et j'étais extrêmement fatiguée. Et ça s'est vu dans le plateau. Alors, je précise que j'ai vraiment retiré mon haut pour faire. Pour faire entendre mon message et mon discours. Donc, j'ai protesté à ce niveau-là. J'ai manqué un petit peu d'arguments des fois, de temps en temps, mais sinon après, je suis quand même fière de mon passage. Si à refaire, je le referai. Moi, ce qui m'a pas plu chez Guillaume Janton, c'est tout simplement ses propos sexistes que j'ai trouvé vraiment inadmissibles. Je trouve qu'on n'est pas au Moyen-Âge. On est quand même en 2022, bientôt en 2023. Donc, je pense que voilà, nous les femmes, en tout cas, pour moi, personne ne doit me dicter comment je dois m'habiller. Premier à dire les influenceurs, ils se la pètent, les influenceurs. Il a vraiment des discours, vraiment, il est très contre les influenceurs, mais c'est le premier à servir des influenceurs. Et d'ailleurs, il me semble qu'il avait à l'époque créé donc la French House, c'est une espèce de pseudo-télé-réalité sur TikTok qui n'a absolument pas fonctionné. Et je pense que depuis, il rage et il a un problème avec les influenceurs, mais c'est le premier à vouloir se faire de l'argent sur le dos des influenceurs et percer sur le dos des influenceurs. Donc moi, ça me fait bien rire d'entendre justement Guillaume Janton à chaque fois s'attaquer aux influenceurs, alors que c'était les premiers à exploiter justement le milieu. Se lever à 6 h du matin et faire le clown de service dans une radio, c'est pas non plus travailler. Donc je pense qu'il n'est pas bien placé pour me critiquer en fait.